Et salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Carmageddon, épisode 27. 27. Cette fois-ci on se retrouve de nouveau dans la mine pour un nouveau sprint. Donc, comme la course précédente on a gagné un nouveau véhicule, je propose qu'on lui compre... Ah, je savais même pas que j'avais celui-là d'Otis. Donc, on va tester celui-là d'Otis. D'Otis. Est-ce qu'on a une nouvelle pièce? Non, toujours pas. Donc les participants. Toujours Wandavust, Screwy, Larry. On peut gagner son véhicule peut-être cette fois. Encore Psycho Pitbull, Agent Orange et un autre qui reste décidément. Mais par contre, par lui, reste, ça peut être tout changé. Je savais même pas que j'avais gagné sur Otis. Ah, cette fois-ci on passe à 30 secondes. On va faire la véhicule. Ok, pas mal. Mis à part les suspensions qui sont un peu molles. Vu que ça va plus vite, je vais faire plus de dégâts au flic. Des infos, enfin des news, entre guillemets.
Donc j'ai participé à la Zerator Cup sur Tarknet de Stadium. Je fais peut-être une vidéo, enfin je verrai. J'hésite à me prendre ce jeu, il y avait pas mal de personnes qui l'avaient. J'en entends du bien de ce jeu, Dying Light. Donc c'est un jeu de zombies. J'allais dire un énième jeu de zombies, mais bon, apparemment il est pas mal vu qu'il y a un aspect MMO. Enfin, RPG plutôt. Sorry.
véhicule là, j'ai des dégâts aux flics sur le côté. Qui n'était pas le cas de l'autre. Ce qui est bien dans le 2, c'est qu'on peut choisir les voitures qu'on veut. Je vais mettre la critique qu'on a. Voilà. Une fois qu'on a fait le jeu, on s'en connaît des belles couleurs. On a 30 ans, enfin. En même temps, les voitures qu'on gagne, elles sont assez. Enfin, c'est assez loin dans le jeu là. Dans la mémoire, c'était plus proche. Alors, Rodis, sa voiture, elle est bien. Diablo, essayez d'en regarder jusqu'au bout et à la prochaine.